Eh bien, salut à tous les amis, c'est Lobfire. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo. Donc, sur GTA 5 Online, on a fait pas mal de vidéos phishing. Enfin, pas mal. Pas beaucoup. On a fait surtout plein de lives en ce moment. Enfin, je fais souvent des lives. Avec Yann Bouilleur, Ghost Rider, Dylan et plein de monde. En gros, plein de potes. Donc là, on va faire 3 tenues de l'armée. Donc, 3 tenues de militaires. Sur GTA 5 Online, donc elles sont un petit peu glitchées. Donc là, il y en aura que deux. Hein. Vous allez avoir le tuto que de deux tenues, parce qu'il y a une troisième, tu vois, elle est là, elle est toute faite. Donc celle-là, ça sera un tuto un peu plus compliqué. Donc voilà, voilà. Bon, le masque on oublie. Hein. Voilà. Donc le gilet pare-balles et tout, ça c'est pas mal, c'est ouais. Donc ça sera à demander dans les commentaires si vous voulez, si vous êtes chaud pour avoir cette tenue à partir de 15 likes. Allez, à 15 likes les gars, parce que j'ai vu que vous étiez chaud en termes de likes en ce moment là. Du coup, à partir de 15 likes les gars, on va faire... je vais sortir cette vidéo. Est-ce que c'est possible? 15 likes. Donc, si on n'a pas les 15 likes, normalement, je sors pas la tenue. Donc faudra vraiment avoir les 15 likes si vous voulez avoir cette tenue, ok? Donc on va commencer tout simplement par cette tenue. Tout simplement. Non, en vrai on va commencer avec celle-là. Donc celle-là, plutôt simple, on oublie le casque, on n'a rien vu. Donc c'est la tenue du Forzan Kudo, les gars. En vrai, elle est ressemblante. Donc... il y a toujours le vieux qui traîne par terre, il a fait un commun. On a rien vu au début de la vidéo. Du coup, on va aller dans les hauts. Et on va aller dans gilet... non. Au polyvalent, en principe. Voilà, il a. Au polyvalent, donc, ça sera le 25 sur 39. Donc, haut de combat gris pixel. Ok. Voilà. Il est... je sais pas combien il est. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on va aller mettre le bas. Bah oui, on va pas rester en slip comme le monsieur là. Enfin, lui, il a pas le haut. Ensuite, du coup, on va aller dans pantalon... non, c'est treillis en principe ça. Voilà, treillis. On va aller dans les treillis, on va mettre celui-là. Donc le 18 sur 37, c'est le treillis ample gris. Et gris pixel. Donc ça sera bah, celui-là. il est beau. C'est un beau treillis. Ensuite, on va aller dans les chaussures. Voilà, donc les chaussures SZB. On va voir dans les bottes. Et dans les bottes, on va prendre les bottes tactiques désert. Voilà. Oui, saute avec. T'as raison, elles sont très confortables. Ça se voit d'ailleurs. Voilà, donc maintenant qu'on a les bottes, le pantalon, le haut, on va aller dans les lunettes. Donc dans les lunettes, on va aller dans les lunettes. De luxe, voilà. Je ferai pas avoir. Oula. Shout if you need me. Voilà. Donc maintenant qu'on est dans les lunettes de luxe, on va aller dans classe acier. Donc 11 sur 45. Voilà. Magnifique, magnifique lunettes. L'oreillette, ça c'est pas obligatoire si vous en voulez ou pas. Ensuite, il y a une casquette à rajouter si seulement vous êtes gradé dans les RP. Donc, c'est soit la casquette, soit le béret. Donc, ça vous choisissez par contre. Ça, je m'y connais pas des masses dessus. Oh là, ça c'est pas une casquette. Casquette militaire en principe, c'est. Elles sont là. Donc, 6, 26. Ensuite, casquette militaire, donc il y en a pas mal. Donc, c'est elle. C'est dans les dernières. C'est le. Képi gris pixel. Voilà. Il est beau. Il n'y a pas que ça en principe. Il y a. Voilà. Y a lui aussi. Que j'ai pas surkiffé parce que. C'est pas ouf. Mais ça fait le taf en vrai. Ça fait le taf. Il est joli. Donc je vais l'acheter quand même. Et on sait jamais. Et ensuite, il y a les. Il y a les bérets en principe. Mais je sais plus où ils sont. Ensuite, on a une tenue un peu plus compliquée. Donc, pour cette tenue-là, je conseille aller dans la plage à Vespucci Beach. Donc, en gros, on va aller ici.
bah les larmes m'ont pas chauffé. Du coup, on se retrouve dans quelques instants. En fait, on se retrouve là-bas pour. D'accord. On se retrouve là-bas parce que du coup, il y a le magasin de masques et il y a les jumelles. Voilà. À tout de suite. Donc, nous voici à la plage de Los Santos. Donc voilà, voilà. C'est plutôt cosy. Encore un vieux. Encore un vieux torse nu là. Mais vous en avez pas marre. Bouge un peu, toi aussi tu vas finir dans le coma. Voilà. Donc maintenant qu'on est ici, on va pouvoir acheter les masques en avance. Alors c'est dans Passe-Montagne. Passe-Montagne en bas, c'est en bas. Et dans les Passe-Montagne, vous allez choisir ce masque là. Tors sur 79, Passe-Montagne Bigness. Gris. Cagoule, Bigness, grise. Même si c'est pas gris, on va pas se mentir. C'est pas gris. Bah non, c'est pas gris. Donc là, on va aller à un magasin de vêtements très proche. Donc moi, bah, je vais là. On est d'accord, le personnage va faire n'importe quoi. Petit replay de la scène. Voilà. Aussi bouge là, gros, gilet jaune. Oh là là. Bah tais-toi, tais-toi. L'autre, t'es mal, il regarde une fenêtre. Ok, donc on va aller dans les hauts, on va aller... Bon, là, il y a pas mal de trucs à acheter, donc prévoyez de l'argent. Donc, on va aller dans les hauts polyvalents, on va acheter celui-là, donc ça sera au militaire kaki zippé, donc 29 sur 39. Ensuite, on va aller dans gilet de braquage, on va aller dans les... Bah, les gilets braquage, gilet tactique vermouth, donc 22 sur 39, je crois. J'ai pas eu le temps de voir correctement, mais on s'en fout. Si vous voulez le parachute, bah vous allez le prendre comme des grands. Ensuite, on va aller dans les hauts, on va aller dans les casques. Les casques de combat, voilà. Casque de combat, et vous allez prendre celui-là. Donc, c'est le 6 sur 67. Double jumelle. Pavé, voilà. Donc, oui, j'ai du mal à lire en ce moment. Je dois changer de lunettes, Jamie. Donc, là, on va aller dans les hauts. Donc, vous dites si je rate un truc. Hein. Non, c'est pas vrai. Je rate rien du tout. Tel un professionnel. Un pantalon polyvalent. Vous allez aller dans 35 sur 38. On s'en fout. Pantalon militaire kaki. Voilà, vous allez prendre ça parce que c'est beau, c'est magnifique. Ensuite, ça fait bien. À chaque fois j'étais PNJ dans mes fesses là, je crois. Qu'est-ce qu'il fout ici, Bolil? Donc là, on va aller dans les lunettes. Donc les lunettes, vous allez prendre des lunettes de vue. Non, c'est pas vrai. Vous allez aller dans les lunettes de sport et vous allez choper ces lunettes là. Oui, tel un renard. J'avais pas d'idée. Donc vous allez dans 13 sur 37. Lunettes hors la loi noire. Voilà, sans être raciste, parce qu'en ce moment je sais qu'il y a un bordel là dehors. Soi-disant, on est des racistes, hein, des policiers. Et... Non, ok, il a fait une erreur, machin, il était sûrement vénère, sûrement le Jérôme Floyd, on va l'appeler comme ça parce que je sais même pas son prénom. Et bah, ça se trouve, il avait fait merde avant, et on s'en fout. Donc, là, on va dire que vous avez finalisé votre tenue, il vous manque plus que bah, le haut, enfin, le parachute, mais bon, le parachute, du coup, vous prenez assorti à la tenue. Ça c'est comme vous voulez. De toute façon, vous avez juste à aller aux ammunitions là. Voilà. Donc c'est ça. C'est le dernier sac à harnais. Donc là, vous allez prendre celui-là. Et pas lui, hein. Celui-là. Vous allez dans le 4 sur 53. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup. Tout ça pour des parachutes, on s'en fout en plus. Voilà. Donc maintenant, vous savez lequel prendre. Le 4 sur beaucoup. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, on a le parachute, on a tout ça, vous allez sauvegarder. Parce que là on va faire un autre truc, hein. On va faire un petit glitch. Donc là forcément vous avez remarqué que vous avez tout en stock, mais que bah il manque soit les lunettes, soit le masque, soit le casque. Et bah là justement on va tout assembler. Donc premièrement, on va faire genre que j'ai rien. Mais j'en ai marre, j'ai pas le temps de voir. Oh, tu sais quoi, on s'en fout, allez, on va faire sur ça. Donc, voilà. Donc là, on va mettre le masque, hein. Je vais prendre celui-là. Ouais, non,
Je vais être gentil. Voilà. Donc on va prendre le masque, on va rajouter le casque. Du coup là ça supprime pas, tu vois, pour l'instant. Ensuite, quand on aura le casque, on va faire un petit glitch. Donc regardez bien si vous avez de l'argent liquide. Donc c'est en vert foncé là. Là j'ai bien zoomé comme il faut. Donc là, quand vous vous assurez bien que vous avez de la thune comme ça là, et bah on va aller dans les jumelles. Donc dans les jumelles, on va courir vers les jumelles, flèche de droite, et on va rester sur pavé tactile. Bon là j'ai pas réussi. On recommence, allez. Flèche de droite et là, reste sur pavé tactile. Hop, réussi. Tu vois, des fois tu vas, si tu réussis pas et que t'arrives pas à faire pas rester, alors en fait il faut appuyer une fois sur flèche de droite. Il faut pas rester dessus. Parce que j'en connais, j'ai des potes, ils ont pas compris qu'il fallait pas rester sur flèche de droite. Donc là, vous allez appuyer une fois sur flèche de droite et après vous allez faire longtemps pavé tactile. Ok, donc là voilà. Mais faut faire ça assez rapidement. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller dans les lunettes. Et on va mettre les lunettes que vous avez achetées pour l'occasion, tu vois. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on s'éloigne, c'est tout. Hop, et voilà, donc là, on a l'assortiment, voilà. Donc voilà, en principe, maintenant que vous avez tout ça, et il vous manque plus qu'à sauvegarder. Ah non, j'ai bien. Maintenant, vous allez sauvegarder, parce que ça serait dommage de tout recommencer. Donc là, on va retourner au magasin, et là, on va acheter les gants et les chaussures, parce qu'il me semble que j'ai oublié ça. Et désolé d'ailleurs. Donc là, on va retourner au magasin, on va acheter les gants et les chaussures. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous attendez que les résultats du tirage au sort. Calmez-vous, ok. Donc là, on va pas voir la madame parce qu'elle pue des dents. Voilà. Donc là, on va dans les gants. Voilà les gants. Et vous allez prendre cela, donc c'est vers les derniers, donc 60 sur 64, tactique forêt. Il y en a plein, ils sont jolis, mais celui-là, c'est le meilleur. Ensuite, on va aller dans les chaussures. Voilà, chaussures. Et là, on va aller dans les bottes et on va prendre celle-là. Donc, bottes tactique noire. Je sais même pas comment... Non. Celles-là, elles sont bien aussi. C'est quoi, on va faire une mise à jour, on va mettre ça. Donc on va dans les chaussures de marche forêt, enfin kaki, voilà. Donc là, on va aller voir la madame et on va aller sauvegarder. Donc la sauvegarde finale, enfin, après tout ce tuto qui a été plutôt long pour cette tenue, on va pouvoir sauvegarder. Donc carré, tactique, fire, bam, on sauvegarde, on choisit le nom, machin, on sauvegarde, voilà, c'est bon. Et... Hop, et là on a la tenue, donc vérifiez bien, hein, vous êtes style, vous regardez bien. Bon, moi c'est bon, elle est, voilà, elle est sauvegardée. On voit les chaussures qui ont pas changé parce que j'ai changé que ça, j'ai fait une petite mise à jour de la tenue. Donc voilà. Donc si vous voulez la vidéo avec, voilà, si vous voulez la vidéo pour avoir cette tenue là, elle est magnifique, sous le gros fil pare-balles là, avec un rembourrage sur le coccyx, on sait jamais. Et bah en tout cas, dites-le moi dans les commentaires, et tout simplement à partir des 15 likes les gars, aux 15 likes, et bah je ferai cette vidéo pour le gil du pare-balles, enfin plus la tenue en fait. Et voilà. Donc sans plus attendre, nous pouvons commencer le tirage au sort, mesdames et messieurs. Donc là vous me voyez pas, hein. Vous inquiétez pas, je vais pas tricher. En gros, voilà, donc là j'ai une petite boîte. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Et donc il y a les papiers à l'intérieur, j'avais prévu à l'avance. Donc voilà, c'est parti.